In this lesson, we will listen to one simple story in French. It is perfect for all beginners. The lesson will follow a familiar format. We will start by listening to the text with subtitles. Then we'll go through the parts of the text with translation. Finally, we will listen to the text again, without subtitles and without translation, and answer the questions. Le rêve de Mario. Mario était un jeune homme de 22 ans qui vivait dans une petite ville. Il travaillait comme plombier à la demande pour gagner de l'argent tout en étudiant à l'université pour devenir ingénieur. Chaque jour, Mario se réveillait tôt. Il prenait des toasts avec de la confiture pour le petit déjeuner et se préparait pour son premier cours de mathématiques. Il aimait apprendre les chiffres et les équations. Après l'université, Mario se rendait à son travail de plombier. Il réparait des tuyaux, des robinets et des douches dans les maisons de la ville. Il apprenait beaucoup sur les systèmes d'eau et leur fonctionnement. Mario avait de grands rêves. Il voulait travailler pour une grande entreprise de construction et aider à construire des bâtiments grands et magnifiques. Il savait que son éducation d'ingénieur était la voie pour y parvenir. Les après-midi, Mario étudiait généralement davantage, se préparant pour ses examens et ses projets. Il lisait des livres de physique et faisait des exercices pratiques. Sa chambre était remplie d'équations et de formules écrites sur des tableaux blancs. Cependant, Mario avait un vœu secret. Il rêvait de devenir un cavalier de rodéo. Depuis qu'il était enfant, il regardait les rodéos à la télévision et était attiré par le défi de monter des taureaux. Mario a commencé à pratiquer l'équitation et à participer à quelques rodéos locaux. Il adorait l'excitation et l'adrénaline qu'il ressentait en essayant de rester sur le taureau. Malgré sa vie chargée en tant qu'étudiant et plombier, il trouvait du temps pour sa passion du rodéo. Il s'entraînait dans l'arène chaque semaine, améliorant ses compétences. Un jour, en travaillant comme plombier dans une maison, Mario a trouvé une invitation à un grand tournoi de rodéo dans la ville. Il n'en croyait pas sa chance. Il était excité à l'idée de pouvoir concourir dans un événement aussi important. Après le travail, Mario se dirigea vers l'arène de rodéo. Il regardait d'autres cavaliers s'entraîner et ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Pendant qu'il regardait les taureaux et pensait à sa prochaine performance, une jeune femme nommée Laura s'approcha de lui. Elle était aussi passionnée de rodéo et remarqua l'enthousiasme de Mario pour la compétition. Ils commencèrent à parler et partagèrent des histoires sur leur amour pour le rodéo. Laura s'est avérée être une cavalière expérimentée et a donné quelques conseils à Mario. Ensemble, ils ont passé des heures à s'entraîner et à pratiquer dans l'arène. Laura lui a appris des techniques pour rester sur le taureau et contrôler sa monte. Mario se sentait reconnaissant pour son soutien et son amitié. Enfin, le moment de la compétition arriva. Mario monta sur le taureau avec détermination, se rappelant les conseils de Laura. Il a bravement chevauché et a maintenu son équilibre suffisamment longtemps pour obtenir un score décent. Après le rodéo, Mario et Laura sont devenus de bons amis.
Ils ont partagé non seulement leur amour pour le rodéo, mais aussi leurs objectifs et aspirations dans la vie. Mario a continué à travailler comme plombier et à étudier l'ingénierie. Mais maintenant, il avait un ami loyal et une passion partagée qui lui donnait la force de poursuivre ses rêves. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Le rêve de Mario. Mario's dream. Mario était un jeune homme de 22 ans. Mario was a 22-year-old young man qui vivait dans une petite ville. Who lived in a small town. Il travaillait comme plombier à la demande. He worked as a plumber on call pour gagner de l'argent tout en étudiant à l'université. To make money while he studied at the university. Pour devenir ingénieur. To become an engineer. Chaque jour, Mario se réveillait tôt. Every day, Mario would wake up early. Il prenait des toasts avec de la confiture pour le petit déjeuner. He would have toast with jam for breakfast. Et se préparait pour son premier cours de mathématiques. And get ready for his first math class. Il aimait apprendre les chiffres et les équations. He loved learning about numbers and equations. Après l'université, after university, Mario se rendait à son travail de plombier. Mario would head to his job as a plumber. Il réparait des tuyaux. He fixed pipes, des robinets et des douches dans les maisons de la ville. Faucets and showers in the town's houses. Il apprenait beaucoup sur les systèmes d'eau et leur fonctionnement. He learned a lot about water systems and how they worked. Mario avait de grands rêves. Mario had big dreams. Il voulait travailler pour une grande entreprise de construction. He wanted to work for a major construction company. Et aider à construire des bâtiments grands et magnifiques. And help build tall and beautiful buildings. Il savait que son éducation d'ingénieur était la voie pour y parvenir. He knew his engineering education was the way to achieve it. Les après-midi, in the afternoons, Mario étudiait généralement davantage. Mario would usually study more, se préparant pour ses examens et ses projets. Getting ready for his exams and projects. Il lisait des livres de physique. He would read physics books. Et faisait des exercices pratiques. And do practical exercises. Sa chambre était remplie d'équations et de formules écrites sur des tableaux blancs. His room was filled with equations and formulas written on whiteboards. Cependant, Mario avait un vœu secret. However, Mario had a secret wish. Il rêvait de devenir un cavalier de rodéo. He dreamed of becoming a rodeo rider. Depuis qu'il était enfant, since he was a child, il regardait les rodéos à la télévision. He had watched rodeos on television. Et était attiré par le défi de monter des taureaux. And was drawn to the challenge of riding bulls. Mario a commencé à pratiquer l'équitation. Mario started practicing horseback riding. Et a participé à quelques rodéos locaux. And took part in some local rodeos. Il adorait l'excitation et l'adrénaline. He loved the excitement and adrenaline he felt. Qu'il ressentait en essayant de rester sur le taureau. When trying to stay on the bull. Malgré sa vie chargée en tant qu'étudiant et plombier,
Despite his busy life as a student and plumber, il trouvait du temps pour sa passion du rodéo. He found time for his rodeo passion. Il s'entraînait dans l'arène chaque semaine. He trained in the arena every week, améliorant ses compétences, improving his skills. Un jour, one day, en travaillant comme plombier dans une maison, while working as a plumber in a house, Mario a trouvé une invitation. Mario found an invitation à un grand tournoi de rodéo dans la ville. To a major rodeo tournament in the city. Il n'en croyait pas sa chance. He couldn't believe his luck. Il était excité à l'idée de pouvoir concourir dans un événement aussi important. He was excited about the opportunity to compete in such a prominent event. Après le travail, after work, Mario se dirigea vers l'arène de rodéo. Mario headed to the rodeo arena. Il regardait d'autres cavaliers s'entraîner. He watched other riders practice et ressentait un mélange d'excitation and felt a mix of excitement et de nervosité and nervousness pendant qu'il regardait les taureaux while watching the bulls et pensait à sa prochaine performance and thinking about his upcoming performance. Une jeune femme nommée Laura s'approcha de lui. A young woman named Laura approached him. Elle était aussi passionnée de rodéo et remarqua l'enthousiasme de Mario pour la compétition. She was also a rodeo enthusiast and noticed Mario's eagerness to compete. Ils commencèrent à parler. They started talking. Et partagèrent des histoires sur leur amour pour le rodéo. And shared stories about their love for rodeo. Laura s'est avérée être une cavalière expérimentée. Laura turned out to be an experienced rider et a donné quelques conseils à Mario. And offered some advice to Mario. Ensemble, together, ils ont passé des heures à s'entraîner et à pratiquer dans l'arène. They spent hours training and practicing in the arena. Laura lui a appris des techniques pour rester sur le taureau. Laura taught him techniques to stay on the bull et contrôler sa monte. And control his riding. Mario se sentait reconnaissant pour son soutien et son amitié. Mario felt grateful for her support and friendship. Enfin, finally, le moment de la compétition arriva. The time for the competition arrived. Mario monta sur le taureau avec détermination. Mario got on the bull with determination, se rappelant les conseils de Laura. Recalling Laura's advice, il a bravement chevauché et a maintenu son équilibre suffisamment longtemps pour obtenir un score décent. He rode bravely and maintained balance long enough to earn a decent score. Après le rodéo, after the rodeo, Mario et Laura sont devenus de bons amis. Mario and Laura became close friends. Ils ont partagé non seulement leur amour pour le rodéo, they shared not only their love for rodeo, mais aussi leurs objectifs et aspirations dans la vie. But also their goals and aspirations in life. Mario a continué à travailler comme plombier et à étudier l'ingénierie. Mario continued to work as a plumber and study engineering. Mais maintenant, il avait un ami loyal. But now he had a loyal friend et une passion partagée and a shared passion qui lui donnait la force de poursuivre ses rêves. That gave him the strength to pursue his dreams. Finally, we will listen to the text again, without subtitles and without translation, and answer the questions. Le rêve de Mario. Mario était un jeune homme de 22 ans
qui vivait dans une petite ville. Il travaillait comme plombier à la demande pour gagner de l'argent tout en étudiant à l'université pour devenir ingénieur. Chaque jour, Mario se réveillait tôt. Il prenait des toasts avec de la confiture pour le petit déjeuner et se préparait pour son premier cours de mathématiques. Il aimait apprendre les chiffres et les équations. Après l'université, Mario se rendait à son travail de plombier. Il réparait des tuyaux, des robinets et des douches dans les maisons de la ville. Il apprenait beaucoup sur les systèmes d'eau et leur fonctionnement. Mario avait de grands rêves. Il voulait travailler pour une grande entreprise de construction et aider à construire des bâtiments grands et magnifiques. Il savait que son éducation d'ingénieur était la voie pour y parvenir. Les après-midi, Mario étudiait généralement davantage, se préparant pour ses examens et ses projets. Il lisait des livres de physique et faisait des exercices pratiques. Sa chambre était remplie d'équations et de formules écrites sur des tableaux blancs. Cependant, Mario avait un vœu secret. Il rêvait de devenir un cavalier de rodéo. Depuis qu'il était enfant, il regardait les rodéos à la télévision et était attiré par le défi de monter des taureaux. Mario a commencé à pratiquer l'équitation et à participer à quelques rodéos locaux. Il adorait l'excitation et l'adrénaline qu'il ressentait en essayant de rester sur le taureau. Malgré sa vie chargée en tant qu'étudiant et plombier, il trouvait du temps pour sa passion du rodéo. Il s'entraînait dans l'arène chaque semaine, améliorant ses compétences. Un jour, en travaillant comme plombier dans une maison, Mario a trouvé une invitation à un grand tournoi de rodéo dans la ville. Il n'en croyait pas sa chance. Il était excité à l'idée de pouvoir concourir dans un événement aussi important. Après le travail, Mario se dirigea vers l'arène de rodéo. Il regardait d'autres cavaliers s'entraîner et ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Pendant qu'il regardait les taureaux et pensait à sa prochaine performance, une jeune femme nommée Laura s'approcha de lui. Elle était aussi passionnée de rodéo et remarqua l'enthousiasme de Mario pour la compétition. Ils commencèrent à parler et partagèrent des histoires sur leur amour pour le rodéo. Laura s'est avérée être une cavalière expérimentée et a donné quelques conseils à Mario. Ensemble, ils ont passé des heures à s'entraîner et à pratiquer dans l'arène. Laura lui a appris des techniques pour rester sur le taureau et contrôler sa monte. Mario se sentait reconnaissant pour son soutien et son amitié. Enfin, le moment de la compétition arriva. Mario monta sur le taureau avec détermination, se rappelant les conseils de Laura. Il a bravement chevauché et a maintenu son équilibre suffisamment longtemps pour obtenir un score décent. Après le rodéo, Mario et Laura sont devenus de bons amis. Ils ont partagé non seulement leur amour pour le rodéo, mais aussi leurs objectifs et aspirations dans la vie. Mario a continué à travailler comme plombier et à étudier l'ingénierie. Mais maintenant, il avait un ami loyal et une passion partagée qui lui donnait la force de poursuivre ses rêves. Now we will listen to three simple questions and reinforce the lesson by reviewing vocabulary.
Try to answer the questions in the comments. Dans quelle ville vivait Mario? Que faisait Mario pour gagner de l'argent pendant ses études à l'université? Quel était le souhait secret de Mario en plus d'étudier l'ingénierie? Le rêve. Dream. Un jeune homme. Young man. Une petite ville. Small town. Un plombier. Plumber. De l'argent. Money. L'université. University. Un ingénieur. Engineer. Chaque jour. Every day. De la confiture. Jam. Le petit déjeuner. Breakfast. Le cours. The class. Les mathématiques. Mathematics. Les chiffres. Numbers. Les équations. Equations. Le travail. Work. Des tuyaux. Pipes. Des robinets. Faucets. Des douches. Showers. Les maisons. Houses. Les systèmes d'eau. Water systems. Les après-midi. Afternoons. Des examens. Exams. Des projets. Projects. Des livres de physique. Physics books. Des tableaux blancs. Whiteboards. Un vœu secret. A secret wish. If you like this way of learning, please subscribe and write your impressions in the comments.